Cela fait maintenant 15 jours que Sophie a mis de côté ses déchets en verre. C'est important pour elle de trier, mais surtout, il faut que ce soit simple. Ce serait tellement pratique d'avoir un point d'apport volontaire au pied de mon immeuble, se dit Sophie. Cela éviterait aussi de retrouver des déchets en pleine rue. Un responsable Suez a rendez-vous avec une collectivité pour faire un point. Pour améliorer la propreté et le tri sur votre commune, je vais vous présenter les conclusions de notre e-enquête sur le maillage des points d'apport volontaires que nous avons mené durant 5 jours grâce à nos agents équipés de notre appli et de smartphones. Nous avons pu analyser les emplacements, les taux de remplissage, l'état général des bornes de tri, pour les déployer aux meilleurs emplacements, optimiser la captation des déchets et améliorer leur valorisation. Et voilà, grâce aux conclusions de l'e-enquête, la commune a pu optimiser son parc de bornes et la ville est plus propre et agréable à vivre. Et c'est maintenant beaucoup plus pratique pour Sophie de recycler son verre. Grâce à l'e-enquête, nous vous permettons d'accroître les performances de collecte et de tri sur votre commune.